pense que la partie était assez intéressante. Je pense que pour l'ouverture, j'ai assez facilement égalisé. Mais tiens, je pense qu'il a bien choisi l'ouverture parce que cette ouverture permet à jouer long et donc jouer sur les nerfs parce que toutes les pièces sont achetées. Et puis, bien sûr, quand j'ai fait cette gaffe cavalier 5, là, j'ai pas vu, en fait, c'est une faute de calcul parce que je pensais qu'après 2 5 sur les 4, j'ai pas vu cavalier 2. Après quoi, je dois abandonner. Donc, je devais jouer cette finale inférieure, quoique je pense que c'était toujours techniquement très dur à gagner pour les blancs, très dur. C'est mieux, c'est clair, mais dur à gagner. Et puis, donc, mon adversaire a gaffé à fois 3 aussi. Et puis je pense qu'après ça se jouait plutôt sur les nerfs. Dommage pourtant que cette partie se terminait comme ça, parce qu'à la fin c'était une gaffe de la part de blanc, et une autre. Sinon, bah, je pense que ça devait être un nul logiquement à la fin. Après il faut être quoi. Sinon mais tiens, à un moment donné, était nettement mieux, donc pour une deuxième fois, j'ai encore une de la chance. Qu'est-ce que je peux faire? Merci. Pour jouer longtemps, comme il dit Vlad, une position à peu près égale avec toutes les pièces. Et puis, bah, au moment où j'ai eu un net avantage et que je pouvais revenir dans le match, j'ai décidé de vous faire gagner 15 minutes et de ne pas jouer le dernier match. J'ai fait une grosse gaffe. Et, j'ai donné déjà un pion et puis à la fin une pièce. Mais quand on n'a plus beaucoup de temps comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, les erreurs, ça arrive. Et... On l'applaudit, bravo. Alors, vous nous avez gagné 15 minutes à Marseille. Donc, on va remettre...